Oh bah, la séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch. Alors si t'as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas. En plus de ça, il y a un planning qui est mis en place toutes les semaines. Et en plus, on est en live tous les jours, sauf le dimanche, parce qu'après, faut pas déconner, faut quand même dormir. Yo tout le monde, c'est Kilera, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on va react sur Ark 2, trailer qui est sorti durant les Game Awards. Alors moi, j'ai regardé les Game Awards en direct. Dites-moi d'ailleurs si vous les avez checkés en direct ou pas. Et je ne m'attendais absolument pas, en fait, à la sortie de Ark 2, enfin du moins à une annonce de Ark 2. Ark, vous savez que c'est un jeu auquel je suis énormément attachée, j'ai bon nombre d'heures dessus. La chaîne a commencé avec du Ark, hein, très clairement. Elle a évolué avec Ark, mais je m'en suis détachée petit à petit parce que plus les extensions avançaient, plus ça devenait trop futuriste à mon goût, et plus c'était plus aussi kiffant pour moi. Je peux comprendre qu'il y en ait beaucoup qui kiffent le côté Genesis, le côté tech, mecha. Moi, c'est pas du tout mon délire, ça s'est trop détaché de ce que je kiffais auparavant. Donc là, on va react, les amis, sur Ark 2. J'ai trop hâte. J'ai vu le trailer, bien évidemment. Moi, je l'ai déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez le regarder à mes côtés et on va en parler juste après. C'est parti, les amis. Vous n'êtes pas prêts pour ce trailer parce qu'il est assez incroyable. Je vous le lance tout de suite. It's time to go. Vin Diesel! Vin Diesel dans le trailer, juste ça quoi! Moi je pensais que c'était un horizon au début, hein, très clairement. J'ai cru que c'était un horizon. Certains moves étaient pas foufou, hein. Mais à partir de là, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Et moi, j'ai absolument pas calé. Je me suis dit, oh, c'est un DLC d'Horizon, c'est quoi? J'ai pas calé. Alors que là, on a des éléments qui nous font clairement penser à Ark, et qu'il nous faut comprendre que c'est Ark.
so, old friend. Alors là, je vous laisse imaginer comme j'ai gueulé derrière mon écran quand j'ai vu Arc, le logo Arc apparaître et le 2 s'en suivre. Alors je sais que beaucoup de personnes sont mitigées par rapport à ça, on va décortiquer un petit peu le trailer et puis après on se laissera là. Je sais que beaucoup de personnes sont mitigées par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode what the fuck, mais d'où Wildcard se permet de sortir un Arc 2 alors que le Arc premier du nom est buggé du cul. Alors moi je joue PvE principalement, donc PvE, moi j'ai pas trop de soucis à me faire par rapport à ça, mais je sais que pour les joueurs PVP, et vu que Arc se considère lui-même comme un jeu PVP, bah il y a des bugs dessus. Moi personnellement, je suis trop contente qu'il y ait un 2. J'ai même pas regardé l'ending pour vous dire de la dernière extension de Arc qui est sortie à ce jour, puisque je l'ai pas terminé en fait. J'arrivais plus à prendre de plaisir dessus, j'ai commencé à m'ennuyer. C'est l'univers en fait, ça a commencé à me gonfler, même si c'était stylé, c'était plus mon univers. Et là, on a l'air de repartir sur quelque chose de plus vanilla, si je puis dire. Déjà, on voit un T-Rex dans le trailer, un T-Rex avec des poils. Alors ça, insane, puisque voilà, il y aurait une histoire comme quoi les T-Rex avaient des poils, donc du coup très très cool de voir ça. On a vu une autre civilisation, des espèces d'orques, je sais pas trop, comme des trolls ou je sais pas comment les appeler pour le coup. Et ben eux, on les a vus dans le trailer, je sais pas s'ils seront intégrés du coup dans Arc 2, on verra ça. Ils ont l'air d'utiliser un portail pour se TP à la fin, donc on va voir ce que ça donne. On retrouve un pteranodon, je crois qu'on a au loin un brontosaure ou un truc du style. Donc on a l'air d'être sur quelque chose de vanilla, je vois pas de mecha. Dans le trailer, il n'y a pas de mecha. Les seules séquences où on voit quelque chose de tech, c'est dans la grotte dans laquelle il se situe, où à côté on a une capsule tech en fait. On a une capsule tech, si on regarde sur la stèle, on a des choses qui nous font penser du coup à l'extension précédente. Et j'ai plus le nom, mais le petit robot là qui nous follow dans l'ancienne extension, bah, il est dessus, il est sur la stèle. On le voit utiliser un pavé tactile du coup qui est très futuriste. Donc je sais pas combien de temps, parce que je me suis pas renseignée sur ça, mais je crois que ça a été donné hein, les informations, mais je crois que je me suis pas renseignée dessus. Je ne sais pas combien de temps personnellement où se situe en fait cette chronologie de Arc, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Alors je pense que ça se passe après les événements du 1, ça tombe sous le sens, hein, c'est pas un préquel ou quoi, je pense que ça se passe clairement après les événements du 1, mais combien de temps après, j'en sais rien. On en saura peut-être plus justement avec la dernière extension de Arc qui sortira. Alors par contre, ils annoncent 2022 pour cette sortie de Arc 2. Je ne sais pas réellement si ça sortira en 2022 puisque on sait très bien et chaque extension de Arc ne sont jamais sorties à la date prévue. La date initiale n'a jamais été respectée, peu importe l'extension, ça n'a jamais été respecté. On verra bien par la suite si ça va être fait pour Arc 2. J'ai vu des trucs comme quoi il sortirait que sur Xbox, et c'est des conneries, hein. Il va sortir sur PC, le jeu, bien évidemment. Après, est-ce qu'on va incarner, j'allais dire Keanu Reeves, on n'est pas dans Cyberpunk, Kiki, on n'est pas dans Cyberpunk. D'ailleurs, si vous voyez l'overlay jaune, c'est en rapport avec Cyberpunk, puisque je le stream en ce moment sur Twitch, donc les amis, n'hésitez pas à venir à twitch.tv/KiraTV, et on fait du Cyberpunk en ce moment, c'est très très cool, et il y a aussi Phasmophobia en parallèle avec le capteur cardiaque. Vous connaissez les bails pour ceux qui sont de la team Twitch. Donc, il y a quelque chose qui a été pointé du doigt aussi, alors ça m'a fait rire. Les gens ont été très méchants par rapport à ça. Ils ont critiqué le fait qu'il y ait Vin Diesel dans le trailer en mode ouais, bah dis donc, il y a du pognon à plus savoir qu'en foutre à tel point qu'ils ont pris Vin Diesel. Bah, d'un côté, maintenant dans l'industrie du jeu vidéo, pardon, il y a énormément d'acteurs qui font les motion capture. Il suffit de voir, il y a le jeu, les premiers jeux, genre il y a Beyond Two Souls, il y a Until Dawn qui utilise le système de motion capture avec des acteurs, pardon. On a eu plus récemment Cyberpunk avec Keanu Reeves et bien d'autres jeux qui me viennent pas en tête là tout de suite, mais qui utilisent aussi la motion capture. Donc je vois pas d'où vient le problème. Le seul point à redire sur le trailer, ça serait les moves. Les mouvements sont pas stylés, les moments où ça frappe et tout, c'est un peu approximatif quand on regarde, alors je sais plus c'est quelle séquence, c'est juste avant de se casser. Et la façon dont ils courent, on dirait qu'ils attendent le T-Rex.
Voilà, il y a juste cette séquence-là. Mais est-ce que réellement on peut en tenir compte à Will Card? Alors après, c'est la première fois qu'on a une cinématique en CGI. On n'a jamais eu de cinématique en CGI dans l'univers de Ark. On a eu de la cinématique qui nous montrait du gameplay, des trucs un peu cool, mais jamais de cinématique comme ça à ce niveau-là. Jamais. On n'a jamais eu ça. Donc les moves, bon, c'est la première fois qu'ils font ça, donc j'imagine qu'ils sont passés par une équipe. Bon, c'est vrai que tu dis d'un... Bon, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est vrai, c'est vrai. Si tu prends Vin Diesel, dans ce cas-là, au niveau des moves, normalement, c'est censé gérer, quoi. Au niveau des moves, c'est censé gérer. Donc, pour le moment, on n'a pas de gameplay hein, qui a été montré. Je pense que les gameplays, on les aura pas avant fin d'année prochaine. Au moins, je pense. Et je pense que si ça sera en 2022, ça ne sera pas début 2022, mais ça sera fin 2022. Parce qu'il y a les extensions, là, qui sont censées sortir. Enfin, la dernière extension de Ark qui est censée sortir. On n'a pas d'infos sur ce qui va se passer, sur la suite des événements. Est-ce qu'on va incarner le personnage de Vin Diesel? Est-ce qu'il va y avoir des PNJ dans le jeu? On ne sait pas. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui a été annoncé par Will Card, c'est qu'on aura un nouveau gameplay. On aura un nouveau système de combat. On aura une refonte graphique. Alors ça, j'ai hâte de voir parce qu'il parle de refonte graphique. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que Ark était cool. Mais il est beau, hein. Mais maintenant, avec ce qui se fait en termes de graphisme et tout, on commence à passer le level au-dessus, on passe clairement le level au-dessus. Donc j'ai hâte de voir en fait ce qu'ils vont nous donner après, à voir si ça va être buggé ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les amis, retenez-le, c'est qu'en 2022, à la sortie de Ark 2, je serai de retour sur Ark, les amis, puisque ça m'a re-hypé, ça y est, de nouveau, je l'étais plus parce que ça commençait à s'essouffler pour moi, j'en avais fait le tour. Même les dernières extensions, j'arrivais plus à prendre autant de plaisir, de toute façon, vous le voyez, hein, au niveau des vidéos, il y avait même plus de vidéos qui sortait sur Ark, il y avait même plus de live en rapport avec Ark parce que bah je m'en suis détachée malheureusement et ça me saoulait. Du coup j'ai préféré arrêter Ark une bonne fois pour toutes et regarder à la limite du gameplay dessus et les trailers de fin. D'ailleurs j'irai voir l'ending du jeu. Donc voilà les amis ce que je pouvais dire sur Ark 2, pas plus d'infos pour le moment, mais en tout cas retenez-le, en 2022 je suis de retour sur Ark parce que je suis vraiment hypée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu déjà le trailer lors des Game Awards, si vous avez regardé les Game Awards et les jeux que vous avez kiffé durant celui-ci. Et moi il y a pas mal de petits jeux que j'ai kiffé, je vais pas mentir. Du coup les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Donnez-moi tous vos avis juste en bas dans les commentaires. Je vous fais à tous de très très gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me follow sur les multiples réseaux sociaux listés dans la barre d'infos juste en dessous. Des gros bisous, en attendant prenez soin de vous. Ciao.